النادي المسيرين المغرب جمعونا باش نهضروا على تمويل الشركات الصغار المتوسطات وكيفاش تيمولوا الشركات ديالهم اليوم وكيفاش ان شاء الله غادي يمولوهم غدا وفين غادي هاد الاندستري بصفه عامه. غادي نقدموا ليكزومبل ديال شنو تدير حساباتي اليوم. حنا تنعاونوا الشركات باش يسيروا راسهم في المرحله الاولى, والمرحله الثانيه تنعاونوهم باش يمولوا الشركات ديالهم. تنتمناو الشركات اللي تخدموا في الصناعه الماليه يعاونوا الشركات باش يكبروا باش نوصلوا للمستوى اللي حنا عارفين الشركات المغربيه تيقدروا يوصلوا ليهم واللي قاسم يوصلوا ليهم, ويحلوا شويه اللعب باش لي ستارت اب اللي غادي يعاونوا هاد الشركات اللي غادي يعطيوهم لاكسي يسهلوا لهم لاكسي الفلوس والتمويل الشركات ديالهم باش يعاونوهم يكبروا. لوبجيكتيف اليوم ديال لا تيماتيك دو جوردي هو لو فينانسمون الترناتيف. دونك حنا هنا في لو كلوب دي ديريجون اون اكومبان لي زونتربرونور ماروكان. دونك لو بوت سي توجور دو لور اوفرير دي بيرسبكتيف de développement. Aujourd'hui, le réflexe premier d'un entrepreneur, c'est d'aller vers une structure classique de financement qui est la banque. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir un peu les éclairer sur les autres modes alternatifs de financement. Donc pour soit alterner, donc remplacer le système classique de financement, ou là tout simplement pour le compléter. Donc aujourd'hui, on va parler des différents modes, à savoir les fonds d'investissement, les business angels, les cellules familiales, le crowdfunding. Donc aujourd'hui, on va le factoring également. Donc on va essayer d'éclairer nos entrepreneurs sur ces nouveaux modes alternatifs de financement pour leur ouvrir de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, les priorités, c'est que nous avons des TPME et PME qui ont déjà subi le Covid. 50% d'entre elles disent avoir subi des réductions de trésorerie et qui méritent la croissance. Donc ce soir, ce qu'on va faire, on va vous parler de nouvelles façons de financer ces entreprises. Par exemple, les commerçants ou les petits entrepreneurs, on peut les inclure dans le système financier via des moyens digitaux, ou des PME, on peut leur donner de nouvelles ressources, par exemple avec le crowdfunding ou le factoring. Donc notre objectif, c'est de montrer comment des innovations qui existent déjà et qui vont se développer au Maroc vont permettre à ces personnes-là de mieux se financer et donc de faire avancer l'économie marocaine. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'acteur de la société et force vive, nous avons besoin de tout le monde. Pourquoi nous avons besoin de tout le monde? Parce que pour mettre en œuvre le nouveau modèle de développement, pour faire du royaume du Maroc le royaume du meilleur, il faut que les entreprises et les banques et les gens qui innovent travaillent ensemble pour mieux financer l'économie.